Bonjour mesdames, messieurs, merci de votre présence en ce beau soleil. En ce jour de fête nationale, nous nous réunissons pour célébrer les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui forment le socle de notre République. Ce 14 juillet particulièrement, il est crucial de rappeler une leçon essentielle tirée de notre histoire. La nécessité d'exercer des responsabilités publiques avec courage et détermination. À l'époque de la Révolution, les politiques de l'ancien régime menaient belle vie à Versailles pendant que le peuple manquait de tout et travaillait dur. Ce manque de courage, cette indifférence face aux souffrances des plus démunis, ont conduit à un mécontentement croissant parmi le peuple, mécontentement qui a conduit en 1789 à la prise de la Bastille et à la Révolution que nous célébrons aujourd'hui. Plus de deux siècles plus tard, nous devons tirer les leçons de notre passé. Il existe encore aujourd'hui deux façons d'exercer la responsabilité publique. La première demande du courage, implique d'être dans l'action, de prendre des décisions réfléchies mais fermes et de s'engager pour le bien commun.